une nouvelle façon de tracer les hauteurs sans l'équerre. Hein, on a vu que la hauteur, la définition de base de hauteur, c'est qu'elle était perpendiculaire au côté opposé. Donc on avait notre technique pour faire coulisser la règle jusqu'à ce qu'elle passe, qu'elle soit bien perpendiculaire au côté opposé et qu'elle passe par le sommet. Ça marchait bien. Mais en fait, on peut aussi fonctionner sans équerre, par angle droit. Le compas reste un outil assez intéressant. Si vous n'avez pas encore vu la médiatrice, je vous conseille d'aller voir la médiatrice parce que cette technique de construction va utiliser ce qu'on sait sur la médiatrice. Si vous avez déjà vu la médiatrice, voilà comment faire dans ce cas de figure-là. Alors on va prendre notre triangle ABC. Et l'idée, ça va être de générer une droite perpendiculaire ABC qui passe par A. Ok? Si on a vu comment tracer la médiatrice, mais la médiatrice nous ferait le milieu de BC. Ok? Et le milieu de BC, si on trace le milieu de BC perpendiculaire, on voit bien qu'on va rater A. On va passer plutôt quelque part par ici. Donc on va rater le point A. Donc en fait, si on voulait avoir exactement, si on veut être sûr de passer par le point A, l'astuce, ça va être de dessiner un triangle, rajouter un point en fait, faire un triangle dont la médiatrice serait confondue avec la hauteur. Et ça va être le triangle isocèle, Frédéric. Ok? Allons-y. Alors, comment faire un triangle isocèle par-dessus notre triangle actuel? Je prolonge un petit peu ma base. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc, on va chercher, par exemple, à avoir deux côtés de la même longueur, de la longueur AC. Okay? Donc, je règle mon écartement de compas sur AC. Et je vais aller chercher sur la droite BC, un point un petit peu plus loin, qu'on va appeler D par exemple, ok? Un point D. Et imaginez, là, si je traçais mon triangle ici, ok, bah, je sais qu'AD, comme je l'ai fait au compas, il a la même longueur que AC. Donc là, j'ai un triangle isocèle. Le triangle isocèle, si vous tracez la médiatrice, celle qui le coupe en deux, il se trouve que ça va être également la hauteur, ok? Parce que comme ce triangle est isocèle, si on coupe en deux, on va bien passer par le point A, donc on sera bien issu du sommet opposé. Hein, donc ces deux droites, la hauteur et la médiatrice, sont confondues dans le cas d'un triangle isocèle. Et d'un triangle équilatéral, puisqu'un triangle équilatéral est un triangle isocèle un peu particulier. Voilà, et ben allons-y. Donc maintenant, comme on sait faire notre médiatrice, on va tout simplement tracer la médiatrice de CD et obtenir normalement une droite qui passe par le point A. Donc je trace un arc de cercle, je garde le même écartement de compas. Ok. Et une fois que j'ai mes deux intersections, ici et ici, je peux tracer ma droite. Et on voit qu'effectivement, notre médiatrice du segment CD, attention, ce n'est pas la médiatrice de BD, de BC, c'est la médiatrice de CD, okay, passe exactement par le point A, puisqu'on a un triangle ADC qui est isocèle. Okay. Donc c'est bien une médiatrice pour CD, donc une des médiatrices du triangle ACD, mais une hauteur pour notre triangle ABD. Donc ça, c'est une façon de faire une hauteur juste au compas.